Bonjour à toutes, on se retrouve donc pour un haul AliExpress. Alors je pense qu'il va être en plusieurs parties parce qu'à mon avis ça va arriver au compte-gouttes et je me dis bah je vais filmer un petit peu tous les jours. Donc aujourd'hui on est samedi 22 et j'ai reçu ceci. Et donc en fait j'ai commandé du tissu, alors je crois que ça s'appelle du Minky, je crois. Et il y a des jours, quand vous allez sur AliExpress, il y a des offres flash ou je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai payé une misère, je crois que j'en ai eu pour 6 euros là, les 3 morceaux de tissu. Donc j'ai pris couleur, c'est couleur pas saumon, je dirais pêche, ou un joli corail. Voilà, un joli corail. Je regarde, j'en ai une sacrée longueur. Hein. Alors, au niveau de la largeur, il fait 55 et la longueur 8, 1m60. Ouais, 2m30. Donc je me suis dit, pour des couvertures de mini, pour de la couture, ça peut être sympa. Alors, si vous voulez le lien, moi je veux bien vous passer le lien, il n'y a pas de souci, vous me le demandez en barre d'infos. Le problème, c'est que voilà, moi je l'ai payé peu cher parce que c'était une offre flash. De temps en temps, quand on va sur Ali, il y a des offres flash. Donc, je l'ai pris en gris aussi. Je me dis, pour l'hiver, ça peut être sympa. Et je l'ai pris en mint. Bah, c'est un joli mint. Si vous voulez comparer. Ouais, c'est un joli mint un peu vert. Non, c'est joli. C'est joli. Regardez, avec le bouchon craftelier. Non, c'est un joli mint. Donc voilà, aujourd'hui je n'ai reçu que ça. Donc je m'arrête là, la suite après. Bisous. Je continue le haul Ali. On est lundi 24 janvier. Alors j'ai commandé des morceaux de... Comment ça s'appelle? C'est un espèce de simili... Un genre de simili cuir. Par contre... Tous les morceaux sont arrivés pliés en deux comme ça. Donc, ils sont tous marqués. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre... Enfin, je vois que quand c'est tendu, on ne remarque pas le pli. Mais bon, je vais quand même les mettre sous presse. Donc, j'ai pris deux morceaux à chaque fois. Donc, ça, c'était censé être du mint. Ça, c'est mint. Ça, c'est pas mint. Mais bon, c'est une couleur qui n'est pas vilaine. J'ai pris le gris, puisque j'aime beaucoup le gris dans le scrap. J'ai pris du blanc. Alors, il est blanc avec des taches un peu beige, donc c'est pas blanc. J'ai pris le rose. Alors, il ne faisait pas aussi criard sur... Puis c'est coupé n'importe comment. Hein. Rien qui est droit. Ouais. Je crois qu'il disait format A4. Un peu plus de 30. 21,5. C'est un rose... je sais pas. Un rose flamant rose. Non, mais pour l'été, ça peut être sympa. Donc, pareil, deux. Et puis, j'ai pris un camel. Fait exprès, ça va. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris plusieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sous des blocs de papier pour essayer de les aplatir. Et moi, de toute façon, je les stocke à plat. À moins que je les enroule... Ouais, je peux encore les enrouler. On va voir. Je vais déjà les stocker sous des blocs. Donc, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça et ça pour faire des bijoux d'album. Alors, normalement, c'est censé faire des boucles d'oreilles. Hein. Vous mettez une accroche et ça fait une boucle d'oreille. Mais moi, c'est pas fait pour faire ça. Et ça fait 4 cm de diamètre. Voilà, c'est le lot de, je sais pas, il y en a peut-être 20, 25, peut-être 30, je sais pas.
Donc j'ai pris en gold, c'est un joli gold, et en argenté. Je l'ai voulu en rose gold, mais je n'ai pas trouvé. Donc il va falloir que je me fasse une boîte pour ranger tous mes trucs comme ça. Enfin, j'étudie ça. Et j'ai également commandé... Alors, j'ai commandé ça parce que plusieurs fois, j'ai reçu... Enfin, plusieurs fois, n'importe quoi. Plusieurs fois, j'ai vu des créations de Nathanaël avec ce genre de matière. Mais celui de Nathanaël, il est beaucoup plus rigide, je trouve. Moi, le mien, il est très, très plastique mou. Je vais pouvoir faire des jolies choses avec, hein, mais je trouve que le mien est très plastique mou. Donc, du coup, j'ai demandé le lien du sien parce que j'ai l'impression que ce que j'ai reçu, c'était pas ça qu'il fallait. Bref, je l'ai pris en rose. Chez deux vendeurs différents, au final, j'ai reçu les deux mêmes roses. Donc, pas de souci. Par contre, celui-là était censé être mint. Il est arrivé bleu. On est d'accord, c'est bleu. Hein. Donc, du coup, j'ai retrouvé... Donc, Nathanaël m'a donné son lien. Et en suivant son lien, je suis arrivée chez un vendeur qui avait... qui affichait tout pareil que le lien de Nathanaël. Mais il n'avait pas le mint. Et puis j'en ai trouvé un autre avec le mint. Donc j'espère que ce sera du mint. Là c'est du bleu, c'est pas grave. Je vais m'en servir, j'ai bien trouvé quelque chose à faire. Voilà, voilà. Pour cette fois-ci, ce sera tout pour AliExpress. La suite après. Alors, du coup on se retrouve pour la suite AliExpress. Et donc là, j'ai reçu... je sais pas comment on appelle ça. Je m'attendais pas à en avoir autant. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, en fait, je vous explique. Ça, je veux mettre ça sur les bords de mes mini-albums. Donc, je l'ai pris en argenté pour que ça finisse comme il faut. Et je l'ai pris en doré, mais le doré, il tourne au champagne, hein, parce que c'est pâle de chez pâle. Hein. Alors attendez, j'ai essayé de remettre ça. Ah zut! Oui, bah, essayez pas arriver. Et j'ai pris donc ça, qui était censé être doré, mais c'est pas du tout doré. C'est arrivé super vite, par contre. Il y a des trucs, ça traîne, mais c'est pas doré, hein, on est d'accord. Hein. Ou alors si c'est doré, c'est très léger. Je dirais plus champagne. Hein. Donc, voilà. Donc, il y avait ça aujourd'hui. Et il y avait, alors, des attaches parisiennes. Alors, c'est pareil. Je suis un peu deg. Alors, ça, c'est des rose gold. Elles sont bien rose gold. Donc, c'est des attaches parisiennes. Moi, j'appelle ça attache parisienne champignon. J'en ai en argenté que j'adore. Donc là, j'ai pris les rose gold. Elles sont peut-être un peu grosses, mais... pour faire des pieds, ça peut aller. Et ça, par contre, c'est censé être gold, mais c'est pas un gold qui pète. Hein. C'est un gold très léger. Hein. Alors, j'aime bien cette taille-là. Ou il faudrait la taille entre les deux, je sais pas. Bon, j'en ai une quantité phénoménale. Je vais quand même re-regarder comme il faut, parce que moi, je les ai en... Alors, attendez... Là, si je touche à tout, là, je démonte la maison. Les argentées, elles sont là. Alors ça, c'est les argentées. Ça, c'est les dorées. Ah, les dorées sont vaches. Elles sont pâles, je trouve. Elles sont vachement claires. Il me faudrait un petit peu plus pétant. Et elles sont peut-être un peu... Non, ça a l'air d'être la même taille. Bim. Je vais tout tomber. Non, bon bah voilà, pour Ali, il n'y avait que ça aujourd'hui. Je vais quand même regarder comme il faut. Ça a été super rapide, hein. Moins de 10 jours. Hein. Je crois que j'ai commandé il y a une semaine à peine. Je sais pas. Donc voilà, pour AliExpress, je m'arrête là pour aujourd'hui. Du coup, suite et fin du haul AliExpress, j'ai reçu pas mal de trucs. Donc du coup, j'ai dit je vais filmer. Je vais pas énormément parler. Parce que je suis malade, je pense que ça s'entend. J'ai pris des petits cœurs argentés gold. Et mes piques ne rentrent pas. Il n'y a rien qui rentre. Je suis deg. J'ai peut-être pris trop fin. Mais c'est pas grave, ça ira dans d'autres trucs. Ça, je pense que ça va rentrer. Ouais.
des jolis. Mettre un peu plus de lumière. Tac. J'ai fait le plein de perles en doré. Ça passe dans cela et ça passe pile poil dans cela. Donc moi j'avais acheté un grand lot de piques comme ça. Sur Amazon, j'avais dû payer dans les 15, même pas 11 euros et des bananes, c'était en promo ce jour-là, pas payé 15 euros. Et pareil, j'ai commandé des, je vous les ai déjà montrés, des lots de piques. Ils sont plus petits, mais ils sont un petit peu plus gros que. J'ai du rose gold, j'ai du argenté, j'ai du multicolore, mais il est trop mignon, je trouve. Je vais m'en laisser un de sortie quand même. Alors, j'ai dit celle-là, c'était bon. Je vais me faire un tas. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Tac. Est-ce que ça rentre? Nickel. Nickel. Donc, les mêmes en argenté. Je ne saurais pas vous dire c'est quel diamètre. C'est des 8. Ça, ça rentre. Là, par contre, j'ai des 6 en doré. J'ai envie de dire qu'elles vont quand même passer. Pardon, excusez-moi. Ah non, c'est mort. Ah non, celui-là, ça rentre. Dans les pics comme ça, ça rentre. Mais dans l'autre, il est un tout petit peu plus gros. Il fait 1 mm de plus, je crois. Non. Donc, ça, c'est des toutes petites. Oh bah zut. Il est toute petite, je pense que vous voyez. Je sais pas combien ça fait. C'est des 6. C'est des 6. Les 6, ça rentre aussi. Donc, tout ça, ça rentre. Ah, celles-là sont belles. Celles-là sont belles. Ça rentre pas. Et là, ça rentre. Donc, elles sont belles, hein. Je pense que vous voyez bien. Elles sont blanches et transparentes. Enfin, je regarde s'il y avait d'autres coloris. Donc ça, ça rentre. Là, on a des des étoiles. Bon, si ça rentre dans le gros pic, ça rentre dans le petit. C'est des étoiles. Je vais tomber. C'est nacré, des couleurs pastel mais nacré. Je pense que vous allez voir, il y a un petit reflet. C'est pas mal du tout. Ça, je vous montre pas. J'ai commencé à faire des achats pour le calendrier de l'Avent. Donc, comme je sais qu'elle regarde. Alors là, j'ai pris deux teintes. Deux teintes différentes. Donc ça, c'est des... Je pense que vous voyez, c'est pas les deux mêmes mint. Il y a un bleu ciel et un vraiment mint. Ça, c'est des perles... Ah, comment on appelle ça? Normalement, c'est pour faire les attaches tétines. C'est en silicone pour que les enfants puissent... Enfin, les enfants. Les bébés. Puissent... Pardon, je suis désolée, catastrophe. Puis c'est mâchouillé. Et j'ai pris un lot mix. J'aurais espéré avoir un peu plus de rose, mais bon, c'est pas grave. Ça rentre, c'est le principal. Alors là, c'est des cadeaux du fil transparent. Il n'est pas élastique. J'ai eu. Le dé est trop joli. Ouais, c'est une breloque. Enfin, une breloque, non, une perle. Non, je suis gentille. Donc ça,
Il y a un peu toutes les couleurs. Ça passe, nickel. Nickel, nickel. Ils sont très jolis. Il y a du mint foncé, du violet, du rose, du jaune, du saumon corail. Ça, je vais m'en servir. Ça, j'avais hâte de les recevoir et de pouvoir tester. Donc, je vais faire des coupures de temps en temps parce que donc ça rentre et ça rentre pas. Merde. Ouais, les pics comme ça, il n'y a pas grand-chose qui va rentrer. Hein. Donc ça, en tout cas, ça rentre. Il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs différentes. C'est des petits nœuds. J'en ai un bon paquet. Il y a des tailles. Il y a des couleurs. Et des couleurs différentes dedans. Donc ça va. Ça, j'ai pris ça, mais c'est 10 fois trop gros, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Pour le coup, la tempête dehors, ça rentre dans les deux. Voilà. C'est gros. C'est trop gros comparé à... Mais bon. En mettant juste la lettre du prénom, je pense que ça peut être pas mal. Ça, c'est comme tout à l'heure, tout au début, là, ce que je vous ai montré. Sauf que là, c'est en forme d'étoile, mais c'est pareil. Il n'y a rien qui va rentrer dedans, c'est tellement petit. Je me suis mis du truc noir sur les mains. Et pour finir, après je m'arrête là, j'ai pris un mix de gros nœuds parce que je voulais voir en vrai... rentre pas, il n'y a rien qui rentre. Je voulais voir en vrai ce que ça pouvait faire pour éviter de mettre des nœuds en tissu, parce que j'ai pas forcément des nœuds en tissu. Voilà, donc ils sont top. Je vais regarder pour commander que des mintes et que des roses. C'est vraiment des couleurs que je me sers le plus. Voilà. Je m'arrête là. Il était censé y avoir d'autres perles. Mais j'ai une commande avec 3 paquets dedans. C'est marqué colis perdu. Et j'ai une autre commande. Pareil, il y avait 2 ou 3 lots de perles. Pareil, colis perdu. Donc pour tout ça, j'ai fait un litige. J'ai demandé le remboursement. Et il y en a un autre aussi, je crois. Pareil, des perles. Donc, est-ce que je recommande ou est-ce que je recherche autre chose? J'en sais rien. Je sais pas. Je vais déjà ranger ça. Donc, voilà pour mes petits achats à Ali. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!